Roger, ça climat, front nuageux, à 20 000 pieds avec avis. Non Gabon, tu peux rattraper le cas. Le mousqueton va lâcher. Par là, prête pour les montagnes russes. Salut, Sarah. Comment Zozo t'a fourgué l'idée de faire la tour? Il m'a dit que c'était mieux que la baise. On perd de l'altitude. Saloperie de pesanteur. Je perds de l'altitude, on va se crasher. Je veux pas mourir. Je vais mourir. Ça va, tu ne vas pas mourir. J'aurais peut-être pas dû me lancer sur ce cop. Non, prie, je veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Beaucoup de choses ont chaviré sur cette vie. Génial. T'as raison, continue, ça nous met en confiance. T'as fait à ton idée? Et elle est morte. Folle tordue. Tu cognes comme une folle tordue. T'as vu ça? Va chercher! Va chercher! Tout de suite! Va chercher, chien de cirque. Qui parle de tirer. Encore ce genou? Ce coup-là, il est naze. Putain. Remise sur la tête. T'es un fan de foot? Super gros sport. Aïe, à pénalty. Chandelle, tiens la fille. Toi, t'es qu'un petit frimeur. Tu vas crever. Delmar, permets-moi de te dire, t'es un sale con. Moi, dans une minute, je serai mort. Et toi, tu resteras quand même un sale con. Je suis pas né pour crever dans cette putain de montagne. La saison est finie, sale con. Lâche-nous sans mur pour nous faire le saut de la mort. Ne me dis pas que t'as le vertige. On a perdu le pilote. Dans cette œuvre, c'est la banane qui mange le singe. Le monde à l'envers, quoi. Vas-y, tire. Tire. Qui parle de tirer? Il n'y a plus de balles, connasse. Flingue-le, bordel! Flingue-le! Mais tirez, nom de Dieu! Tirez, mon Dieu, tirez! Et doucement, tu veux faire rougir le vieux Franck. Al va me couper la tête. Une tête si magnifique, en plus. Il est grièvement blessé, qu'est-ce qu'on en fait? Y a qu'à l'envoyer à l'hosto. Vite! Il nous faut de l'insuline! Tuer un homme, c'est être un assassin, mais en tuer des millions, c'est être un conquérant. Il nous faut de l'insuline. Il va mourir de froid! Nous, on a fait un glaglais dans l'igloo toute la nuit. Monsieur Travers. Merci. Les coupures de $1,000 que nous transportons servent uniquement à l'export de devises. Vous faites toujours ce transport par avion? Presque. Un fourgon blindé, ça se pirate, un train, ça déraille, mais l'avion, ça, on n'y touche jamais. Je n'ai pas perdu un billet en 12 ans, me portez pas malheur. Croyez-moi, c'est à la trésorerie qu'on voit les employés les plus superstitieux de la fonction publique. C'est normal, on fait tellement d'envieux. Le fric, je l'emmerde. Monsieur Tucker et Walker, il nous manque 3 bagages. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Chaussures, chaussettes, une centaine de millions de dollars, rien de plus, rien de moins. Des valises pleines de billets. Faut qu'on trouve la deuxième valise avant eux. Passons à la valise 2. Donnant. Putain de merde! Où sont les billets? Je vous ai brûlé. Ça vient cher de se chauffer. Je flambe, c'est mon vice. Même un montagnard bas de plafond comme toi ne brûlerait pas 30 millions de dollars. Envoie-moi la monnaie. Et je ne tuerai que toi. Allez, donne-moi l'argent. Et tu as l'argent? Il en a fait un feu de joie. Où est la troisième valise? Au sommet de la tour. Si vous avez envie de vous battre, faites-le pour l'argent.
Je veux ce fric et je le veux tout de suite. Balance l'argent ou je la tue. Si tu la touches, adieu à ton fric. Envoie-le. Où t'as mis l'argent? Quellen, cette fois le match est fini. C'est fini. T'as perdu. T'es une véritable sangsue, salaud. T'es toujours vivant. On est mariés, tous les deux. Tu es chemise. On est frères de sang dans le mal. Une corde pour mettre ce chien en laisse. Si tu ne viens pas, on saura très vite si ton angelot en sucre s'est volé. Reste là. Fais-moi un procès. Allume-le. Et on n'a pas peur de mourir. Ça commence juste à être intéressant. Dans l'hélicoptère, pilon. Je suis héliporté maintenant, tu vois. Vous avez franchi la limite, cher ami. Il avait jamais fait de mal à personne. Ton ami vient de s'offrir l'enterrement le plus cher du monde. Fais du feu. On lui a taillé un costard en forme d'hélico. Traverse a eu la très bonne idée d'apporter un détecteur de balises. On ne donne pas de nom, bordel de merde. Traverse répond. Ce fumier de Walker est toujours en vie, Quellen. Pas de nom, bon sang, on peut nous capter. J'en ai rien à cirer. Eric Quellen. 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 Monsieur Quellen. Coupe cette radio. Eric Quellen. Coupe ton émetteur, espèce de petit con. Il s'appelle Eric Quellen. On lui fait la chasse depuis pas mal de temps, mais sans grand résultat. C'est un ex-agent du contre-espionnage qui a trouvé un peu plus rentable de passer de l'autre côté. Il fait dans l'espionnage industriel, le piratage de diamants sud-africains, le vol et la revente de millions et de millions de bons aux porteurs. J'en passe et des meilleurs. Il a l'entregent international qu'il lui faut pour vendre ses coupures, monsieur Wright. Et une bonne centaine de millions de dollars, c'est une sacrée tentation pour ce psychopathe. Quand je pense que j'ai roulé pour un truand comme toi, salope. Adios, pauvre enfoiré. Ça va faire boum dans 5 minutes. Dans 3 minutes, une bombe va péter, fous le camp de la vie. Il y a une bombe au-dessus de ta tête. Vous croyez que tu peux voler par ce temps-là? Waouh, t'as entendu ce coup de tonnerre? Ben, fais du feu. T'es suspendu à tes lèvres. Ah, c'est mal, hein. Nous ne sommes pas des bêtes, sauf si on nous force à le devenir. Tu voudrais bien me tuer, hein, Tucker. Alors prends un numéro et fais la queue. Je t'ai dit de filer, nom de Dieu! Je salue l'effort, mais je ne sous-estime jamais la force de la loyauté, surtout quand elle est spontanée. Elle n'a rien à voir avec celle qu'on paye grassement. L'amour, c'est toi, non? Sais-tu ce que c'est vraiment l'amour, Christelle? Un sacrifice. Bon, t'es prête, là. La tête, je reconnais pas, mais ce petit cul, ça évoque quelques souvenirs. Je dois bien reconnaître que t'es un sacré numéro. Ouais, et toi, une sacrée ordure. Delma! Tucker. Walker. Frank. Gabe. Jesse. Al. Jesse. Delma. Jesse. Frank. Gabe. Christelle. C'est Gabe. Frank. Frank. Gabe. Al. Frank. Kinette. Gabe. Al. Gabe. Frank. Al. Gabe. Frank. Al. Frank. Frank. À toi, Al. À toi. Frank. Al. Gabe. Frank. 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 C'est toi, Al. Vous appelez comment? Tucker et Walker. Allez, Walker. 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 Ce monsieur Walker devient vraiment déplaisant. Ryan. Ryan. N'est-ce pas Traverse? Lâche-moi un peu, Quellen. Lâche. Je ne t'ai même pas encore effleuré. Je crois que tu divagues, hein, Traverse. Traverse. Une trouvaille de notre ami Traverse. Prends ton joujou. Va te faire foutre! Ces montagnes de merde. Merde, sale con! Tu joues au con. Tu te manges le cul. Espèce d'enculé. Putain de merde. Nom de Dieu. Je t'emmerde. Quel salopard. Espèce d'ordure. Saloperie. Saloperie. Espèce de pourri. Je t'emmerde. Tu te fous de ma gueule. Tu commences à me faire chier avec tes menaces. Je veux que tu saches avant de crever comme un chien que je vais me la faire, ta salope. Écoute, là, tu te fous de moi. Et toi, tes conneries, tu te les gardes et tu t'écrases, mon négro, hein. Le chien qui va te fendre la gueule jusqu'aux oreilles, le négro. Explose-moi ce blague de mes deux. Espèce d'enfoiré. Je vais te crever, mange-merde. Toi, c'est qu'un pauvre malade. Je vais te péter la nuque, ça pète moi la nuque. Je t'ai dit de parler, nom de Dieu. C'était un appel bidon. Je crois que c'était un appel bidon à toi. L'appel de détresse, c'est bidon. Bidon? Mais comment ça, bidon? Je fais pas répéter le monsieur. Ce fumier est toujours en vie. Ne descends pas du véhicule avant l'arrêt complet, d'accord? Et rappelle-toi bien, connard. Interdiction de descendre avant l'arrêt complet. Évident, tête de nœud, évident. Nous n'avons pas besoin de deux guides. Tête de nœud. Tête de nœud. Trop tard, t'as loupé ton copain, il a décidé de rentrer en Arizona à la nage. Tu ferais une bonne petite femme au foyer. Je suis la reine de la pâtisserie. Qu'est-ce qu'il a à traîner comme ça? Patience. J'ai pris une petite passagère qui, si je ne m'abuse, est chère à ton cœur. Veuillez voir la gentillesse de noter qu'un garde du parc national braque ma petite amie et que c'est facile d'un vol plané à coup de pompe dans le cul, à vous. Je
t'achèterai une peinture. D'habitude, qui mange des bananes? Le singe. Vous mettez inutiles et les objets inutiles, on les jette. Je crois qu'avec ce coup de pinceau, le vieux Franck a mis la touche finale. T'as pas un stylo?